Salut les amis artistes du groupe Vive d'art et d'eau fraîche. Oui, c'est bizarre, c'est Antoine. Dans mon histoire, je suis l'aviateur qui a crashé dans le désert et qui a raconté l'histoire du petit prince une fois sauvé. Mon histoire du petit prince, en fait, ça parle de l'amitié. Si vous vérifiez, excusez-moi, je bégaye, je suis avec vous en esprit. Depuis 1944, je suis parti, puis mon histoire a fait la une partout en France et au monde entier. Je remercie tous et toutes celles qui ont aimé mon histoire et ça les a inspirés. Et surtout maintenant dans le groupe Vive d'art et d'eau fraîche qui me font mémoire et hommage. Je remercie énormément les participants. Chers amis, c'est la pensée un petit peu de Georges que parfois, c'est ce que j'ai écrit, si j'aurais pu écrire jusqu'à aujourd'hui, je rajouterais la visite du petit prince des planètes que plein qui l'habitent. J'ai parlé de l'ivrogne, j'ai parlé de l'allumeur de réverbère, j'ai parlé du renard. C'est symbolique dans notre esprit, c'est des contacts dans cette vie ou ailleurs. Une caractéristique de chacun. Et je me permets, dans cette histoire, de sortir un petit peu du contexte et permettre à d'autres artistes de mettre leur interprétation, le contact du petit prince avec ce qui vous tente. Je vous donne un exemple, Guillaume Grenier Fontaine, artiste peintre merveilleux, lui, il s'est imaginé que le petit prince a rencontré un avocat, on verra tantôt ce qu'il va lui dire. Et Georges, il a pensé à Audrey, la petite fille de Linda Guimont, artiste peintre, celle qui a illustré le petit prince. Conversation entre le petit prince et Audrey, ça pourrait être improvisé et simple, juste pour faire un petit coucou à Audrey. Salut! Bonjour! Bonjour! C'était un marchand de pilules perfectionnées qui apaise la soif. On en avale une par semaine et l'on n'éprouve plus le besoin de boire. Pourquoi vends-tu ça? C'est une grosse économie de temps. Les experts ont fait des calculs. On épargne 53 minutes par semaine. Et que fait-on de ces 53 minutes? On en fait ce que l'on veut. Moi, si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine. Bonjour. Et toi, monsieur, qui es-tu? Bonjour. Moi, je suis un homme de loi. Je suis maître chez moi. Je suis comme le roi. Je connais tout. C'est moi qui décide ce qui est juste ou injuste. Je trouve mes réponses, et mes réponses souvent sont incontestables. Ah ben, c'est bizarre ça. Ça me rappelle un petit peu les paroles du roi et du vaniteux. Mais moi, je ne connais que la foi. Je crois en ma rose et ma quête de justice est perpétuelle. Mais oui, tu es petit. Tu n'as qu'à veiller à ta vie et faire beaucoup d'argent. La justice suivra. Oh, que vous êtes grossier à mes oreilles. Moi, oui, je suis petit et ma planète est petite. Je me suffis du peu. Je me nourris de poésie, et là vous me créez bien des soucis. Je vous laisse, et je vous souhaite un brin plus flexible dans ce que vous lisez, car c'est souvent l'exception à la règle qui fait de la loi une loi complète, comme vous dites. Au revoir. Encore une fois, le petit prince, déçu, partant, il s'en va à la découverte d'une petite planète, pas loin de chez nous. Il rencontre Audrey, une jeune fille assez charmante. Elle aime beaucoup dessiner et il était curieux de connaître un petit peu sur Audrey. Waouh, que c'est beau chez vous. Bonjour Audrey. J'aimerais bien te demander quelques questions Audrey, parce que on dirait on a le même âge.
J'aimerais bien savoir ce que tu aimes dans mon histoire de Petit Prince. Tu sais, cette histoire-là, ça fait longtemps, longtemps qu'un aviateur l'a écrit. Et jusqu'à aujourd'hui, on lit. Mais il y a des gens qui n'aiment pas lire. Et il y a des artistes qui ont pensé, mais enregistré des voix pour qu'on raconte cette histoire-là. Tu sais, c'est pas l'aviateur, le petit prince, puis le petit prince qui parle avec le renard. Tu sais très bien que c'est pas des choses vraies, vraies, vraies. C'est dans notre pensée. Mais puisqu'on est dans notre pensée, je pourrais te demander des questions, moi, parce que je te trouve vraiment intéressante. J'aimerais bien savoir ce que tu aimes dessiner, ce que tu aimes manger, tes couleurs préférées, tes rêves. Bonjour, petit prince. Ah, que je suis contente que je puisse parler avec toi. J'ai beaucoup de choses à te dire. Tu me demandes des questions, ce que j'aime pas, puis tout. Tout ça, c'est pas tellement important pour moi. Tu sais, comme toi, lorsque tu dis l'essentiel est invisible à l'œil, moi, je suis un enfant et je comprends ce langage-là. Ma mamie, là, Linda Guimont, artiste, celle qui t'a dessiné, elle voulait pas dessiner le mouton que tu demandes. Et moi, j'ai jamais compris pourquoi tu veux tout le temps qu'on dessine le mouton. Dessine-moi un mouton, dessine-moi un mouton. Mais, tu sais, moi, à chaque jour, je lis un livre avec ma mamie. Et là, je suis contente que j'écoute l'histoire, ton histoire du Petit Prince, fait par les artistes. Ça me fait comme un petit peu un pincement à mon cœur. Ça me fait, c'est comme la joie. Je ne sais pas comment on appelle ça. Tu sais que des gens, parfois, sont intéressés à des petites choses que nous, les enfants, on aime. Et eux, ils sont grands, ils travaillent, ils sont responsables, ils sont parents. Et malgré ça, ils font des dessins, ils font des choses que nous, les enfants, on aime. Je suis vraiment contente. Puis que je puisse te parler comme ça, comme si on était vrai. J'aurais aimé que tu sois vrai et que tu viennes jouer avec moi. J'ai ma mamie qui est avec moi. Et toutes ces histoires me rendent heureuse. Mais là, je te souhaite une belle journée. Je ne sais pas si je pourrais parler plus, je ne veux pas prendre beaucoup de temps parce que l'histoire est longue. Tu as rencontré encore plein de personnages dans ton histoire. J'ai hâte que tu rencontres le renard, j'ai hâte que tu rencontres le serpent en dernier. Ça me fait, ça m'inquiète un petit peu. Tu sais que les serpents, ils meurent, hein? Puis je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dire par le serpent dans cette histoire-là, mais ça me fait peur. Mais me faire peur, ça me fait un petit peu encore comme si c'était vrai. Ça me met dans la réalité de ton histoire. Mais je te... Laisse-moi te donner un beau bisou. Mouah! Tiens.